nouvel accord, le Ré. Pour jouer le Ré, tout se passe sur les trois cordes aiguës, Sol, Si et Mi. On place les trois doigts index, annulaire et majeur et ça forme un petit triangle. Donc il faut bien regarder le diagramme sur la méthode en n'oubliant pas toujours la corde grave à gauche, la corde aiguë à droite. Et donc sur les trois cordes aiguës, on se place comme ici. Pour l'exercice, on va utiliser un rythme à trois temps avec donc le pouce pour le premier temps, les doigts pour les temps numéro 2 et 3, donc pouce, doigt, doigt. Comme on enchaîne deux accords, Ré et Sol, pour l'accord Ré, le pouce va jouer la corde de Ré, mais pour l'accord Sol, le pouce va jouer la corde de Mi. Donc l'accord Sol dans cette forme-là, donc le pouce joue la corde de Mi. Oui, il y a une corde de Sol, donc on pourrait penser que le pouce va jouer la corde de Sol, mais c'est une des cordes aiguës, et le pouce, lui, va jouer sur une des cordes graves. Voici le rythme. Et encore une fois, bien sûr, tu vas mettre un petit peu plus de temps à passer d'un accord à l'autre. Il faut continuer à s'entraîner et à le jouer régulièrement pour que ça aille de plus en plus vite.